Bonjour, je suis Madame Kiera Diagne-Soublé, je travaille au ministère du Commerce de la République de Guinée. Je trouve que c'est une formation qui était très bienvenue et je remercie le Tout-Puissant et l'IDEP pour avoir eu la chance de participer à ce cours. Ce cours qui nous a permis aujourd'hui de voir le développement par rapport au commerce et surtout l'intégration de la femme dans la politique commerciale, dans les négociations commerciales et surtout l'intégration de la femme à tous les hauts niveaux, surtout dans le commerce. L'IDEP a déjà fait beaucoup en organisant ce cours, mais pourrait en faire plus pour faire participer plus de femmes parce que nous avons besoin justement de ces renforcements de capacités du genre. Et nous avons besoin aussi que ces cours servent surtout dans nos pays, que ça ait un impact. L'impact, c'est la sensibilisation au niveau des politiques, au niveau des gouvernants, justement, sensibiliser les gens, par exemple, du secteur minier à adhérer, accepter les femmes dans ces emplois convenables, justement, sensibiliser la population, surtout genre, à se dire qu'elle peut, que les femmes peuvent et donc elles doivent être aptes à assumer de hautes fonctions. Surtout, après avoir relevé justement ces défis, le renforcement de capacités, parce que pour être compétitive, pour que nous puissions parler d'égalité, de chance, il faut que nous soyons compétitives. Et pour cela, nous avons besoin de l'IDEP. Nous avons toujours besoin de l'IDEP et qu'aujourd'hui c'est genre commerce et développement. Demain, pourquoi pas genre environnement, genre industrie, que ce soit dans tous les secteurs. Et nous attendons encore plus de l'IDEP, nous voulons toujours plus. Et du pays, nous attendons qu'aujourd'hui, qu'on voie par exemple à l'OMC dans les négociations commerciales, plus de femmes représentatives et que nous voyons au niveau des ministères, plus de femmes, la représentativité doit être de mise. Et pour cela, nous les femmes, nous devons nous donner la main, nous devons assumer ces fonctions et ne pas avoir peur. L'égalité pour tous.